Assalamu alaikum, merci de vous faire une vidéo offerte à la chaîne TIC Yavid. Je suis très contente de l'invité spécial Eliomaï. Tu dis que tu as fait le col, comme tu as fait le col, je suis à te faire d'ailleurs. Surprise! Merci, je suis très heureux d'être là. Aïcha Grat, donc à te faire auteur, éditeur. Autre. Aujourd'hui, on va parler donc d'un livre qui est avec nous. Bon, je l'ai lu avant, la vérité, mais il me l'a très chaudement recommandé. C'était à la limite du harcèlement. Ouais. C'était à la limite, ouais. Voilà. La Terminus, les Terminus. Donc, c'est Terminus de Tom Zweterlich, paru chez... Bien. J'ai fait le pari qu'on allait foirer le nom. Non, ça va, nickel. Très bien. Paru chez Albin Michel Imaginaire. Donc c'était Fibeli, un gros coup de cœur pour nous. C'est un gros coup de cœur, ouais. C'est un gros coup de cœur, ouais. C'était un camion, un poids lourd qui nous est rentré dedans. Elle peut s'arrêter là. Elle peut s'arrêter là. Je crois que si ça ne vous donne pas envie. Terminus, Fibeli, il est un crossover de genre. Femme à la science-fiction, femme à le thriller, femme à des petits éléments horrifiques, à des moments. Fait le bandeau ou Mahatin, c'est un crossover, mais bien tous les textes ou Inception. Et là, j'ajouterais même Minority Report, la Butterfly Effect. Il y a beaucoup de. Ouais. Le roman, en fait, c'est un pot pourri entre plusieurs genres. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la beauté de la littérature de genre, je ne le dirai jamais assez. C'est pour ça que j'adore. Alors à la base, c'est quoi? C'est un roman de science-fiction. Le cœur, c'est un policier, c'est une enquête policière. On est aussi dans la hard sci-fi, parce que le thème général, c'est les voyages temporels. Un voyage temporel un peu spécial, c'est entre le multiverse, les univers parallèles et le voyage dans le temps. Le mec, il a inventé un truc, je pense. Inventé, peut-être pas, parce qu'il s'est basé sur plusieurs articles scientifiques. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait un peu de hard sci-fi. Là, en fait, la particularité, c'est que c'est un futur, c'est l'exploration de plusieurs futurs possibles. Voilà. Donc voilà, on ne va pas vous prendre la tête trop avec des détails techniques. On va juste simplifier en disant que c'est des sauts dans le temps, comme ça, qui servent l'enquête. D'ailleurs, l'héroïne est une enquêtrice qui fait partie du NCIS. Alors là, vous dites NCIS, Bips et tout ça. Pas du tout. Alors, non. Une héroïne bien badass. Il y a le personnage, Shannon, Shannon Moss, est très très charismatique. Ou une héroïne, elle est amputée d'une jambe. Non, c'est pas un spoiler, c'était le début, elle s'est fait amputer d'une jambe. Amputée d'une jambe, ou une prothèse. C'était original en tout cas, c'était très bien. Le personnage était vraiment très bien. Le phase à l'une, et là j'avais un petit peu peur du mélange, hein, 4 heures sci-fi, le côté policier il prend le dessus, voilà, le côté sci-fi il prend le dessus, mais pas du tout, tout est bien ficelé, bien dosé, tout est bien ficelé, alors que le roman est très dense, comme je disais tout à l'heure, ça part dans tous les sens. C'est, on dit toujours l'expression, ça va vous retourner le cerveau, it's gonna blow your mind. Eh ben effectivement, ça va mind blowing, vous allez ramasser votre respire à la petite cuillère là, sur les murs et tout ça. Le voyage temporel, c'est une constante en science-fiction. On en a lu des tonnes, des brassées de livres. Mais là, l'auteur arrive, et c'est son deuxième roman uniquement. Donc il arrive à tisser un monde qui est cohérent, à aller dans tous les sens, dans l'enquête, dans la SF, dans le polar, un peu de philosophie, de la religion. C'est ce que j'aime aussi dans la SF. Un peu d'écologie, Zeda. Un peu d'écologie, exactement. Et le Terminus. Le Terminus, on va peut-être expliquer un peu ce que c'est que le Terminus. Le Terminus, en fait, c'est la fin de tout. C'est l'apocalypse avec un grand A. La fin de tous les futurs possibles. De tous les futurs possibles, exactement. Donc, le roman aussi va tourner autour de l'inévitabilité de ce terminus, en fait, et qui se rapproche à chaque saut temporel, en fait, qui se rapproche et qui devient beaucoup plus réel. Et en trame de fond, il y a encore cette enquête qui est incroyable. Oui. Donc voilà, meurtre familial, enlèvement, complot, terrorisme,
you name it, you name it, you got you, it. You got it. Voilà. It checks all the boxes. Ça fait longtemps que j'ai pas lu un truc aussi complet, avec une fin aussi satisfaisante, hâte à la fin, parce que j'avais un petit peu peur, comme ça partait un peu dans tous les sens, ou le col, mais la fin, elle était, mais c'est embêtant quoi, le truc ça part dans tous les sens, mais après ça se, c'était trop bien. C'était trop bien. Trop bien. Trop bien, Alba Michel Imaginaire. Un petit mot sur la collection Alba Michel Imaginaire, oui. Qui est des titres sublimes, on en reparlera peut-être ici une autre fois. Avec Terminus, je crois que oui. Là, on touche vraiment. Nakrina, déjà, Cosmologie de monstres, il était très bien. Exactement. Dans un autre genre, mais dans un autre registre. Mais, là, ouais. Vraiment, Phoebe, ça, où ça résume l'esprit Albin Michel imaginaire. Mais il y a de tout, hein, la littérature de genre, dans tout ce qu'elle a de plus beau. Exact. Où l'auteur, il n'est pas aussi connu que ça. J'ai pas l'impression c'est que ce soit... C'est son deuxième roman. Le mec, c'était un auteur à Pittsburgh, en Pennsylvanie, tranquille, peinard. Il écrit son roman. Une année plus tard, il est déjà traduit en France. Je ne pense pas qu'il ait été traduit ailleurs, d'ailleurs. Oui, ben, je ne sais pas. J'ai pas vu. Bravo, Alba Michel. Donc, voilà. On vous invite très, très, très chaudement à le lire. Surtout... À le bouffer tout cru, ce livre. Bouffer. Oh, en tout cas, une fois tu l'as commencé, une fois que vous avez lu les premières pages, le prologue qui est déjà... C'est bon, c'est bon. Donc, on vous invite très chaudement à le lire, surtout Ithaken comme des fans de thrillers, de science-fiction, d'horreur. Lisez-le quand même si vous n'êtes pas fan. Je vous préviens. Oh, mais non, mais je suis sympa, non. Il est sympa, là, oui. Donc, voilà, merci beaucoup, Arad. Merci à toi. Dans de prochaines vidéos, peut-être. 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 Ciao, ciao, ciao. Bye.